Deuxième fois que je lance le stream. Hein. Voilà, donc là il y a l'écran. J'ai même pas mis le générique. Ah si, voilà, le voilà, voilà. C'est un peu le bordel. Hein. Ah, épisode 12 et tout ça, voilà. Bon, je vais pas me retaper le générique. Voilà, fait chier. Hop là, ça dégage. Voilà. Donc il y a à peu près 10 minutes, j'ai lancé le stream, mais j'ai complètement zappé que j'avais configuré mon OBS pour restream et j'avais éteint mes deux curseurs, je sais pas pourquoi, sur restream alors que je voulais, alors j'aurais dû les laisser en on, ce qui fait que je diffusais sur que dalle en fait. J'ai diffusé sur le site Restream, mais sans diffuser quoi que ce soit, vu que de toute façon, on voyait rien. Donc voilà. Donc actuellement, normalement, le stream, il devrait être vu en même temps sur Twitch et en même temps sur YouTube. Pff, de toute façon, je sais pas si c'est une bonne pub, quoi, de commencer par ça sur YouTube. C'est-à-dire, ah, c'est ça l'Amstrad. Ah, c'est ça un stream Amstrad. Oh putain, c'est chiant. Bah ouais, du con, c'est écrit en rouge. Ouais, on voit bien maintenant, bah ouais. Bah maintenant, ouais. Donc, ouais, je passe directement au vif du sujet, parce que voilà, j'ai envie de commencer plus tôt, parce que ça faisait chier d'attendre. Bah fin, finalement, je commence à l'heure, en fin de compte. Je suis en retard, mais je commence à l'heure. Alors, voilà. Donc développement d'un jeu de plateforme. Donc là, il va falloir que je revoie donc un petit peu tout ce qui est Teal et compagnie. Nous savons maintenant afficher des sprites, c'est bien mais bon. À partir de maintenant, on va essayer d'appliquer un minimum à travers des exercices. Seulement les exercices, c'est chiant. Ouais. Alors pourquoi ne pas simplement faire un jeu ? Comme si c'était simple. Et puis là, j'adore sa phrase, Amaury. D'ailleurs, il faudra que tu corriges, Amaury, dans ton cours. Pour ce jeu, nous allons simplement faire quelque chose d'assez simple. Ouais. Un jeu de plateforme sans scrolling. Alors déjà, simple, c'est une chose, mais alors, simplement quelque chose d'assez simple. J'ai du mal à le concevoir. Vu comment je galère pour comprendre le moindre truc, là, dans tes cours. C'est pas si simple. Hein. Bien installé dans ton poste de commande. Ah, mais grave. Puis là, j'ai la petite planchette en bois avec le clavier et la souris sur les genoux. Donc voilà, le café que je viens de finir. Donc, cahier des charges. Avant de commencer un projet, il faut déjà le définir. Voici donc ce que nous voulons faire. C'est un jeu de plateforme écran par écran. Nous dirigeons un personnage qui peut marcher, sauter et tomber. Et qui peut aussi ramasser des objets. Il y a un inventaire à gérer. Si on touche... enfin bon, ça n'y est pas, hein, putain. On en est loin. Si on touche un bord de l'écran, alors on change d'écran. Ça non plus, on n'y est pas. Et il y aura des ennemis de plusieurs types au parcours défini. Ça, on n'y est pas. C'est-à-dire que tout ce qui est... Non, tout ce qui est écrit là, on en est à... C'est un jeu de plateforme écran par écran. Voilà. Oh, comment ça va être galère de revoir ça. On va bien voir, parce que là j'ai peur de ce qui va suivre. Lecture d'un tableau pour afficher le décor. La première chose à faire avant de commencer à déplacer un sprite dans notre jeu, c'est déjà d'apprendre à afficher le décor. Putain, j'ai soif déjà là. Bah ouais, est-ce qu'un jeu sans... Juste en décor, c'est pas un jeu. En gros, dès qu'on sort de l'écran, on en affiche un autre. Ouais. Le principe va être très simple. Encore le mot simple. Armory, faut que t'arrêtes avec ce mot. Hein. En mémoire, nous allons stocker des sprites de notre décor. Ça, ok. Comme il s'agit d'un décor, nous appellerons ces sprites des tiles. Des tiles ou des tiles? Ça se dit comment? Retenez bien le mot car je vais en abuser. Ces tiles
ou tiles, dites-moi dans les commentaires si c'est comment ça se dit ça, vont donc se suivre en mémoire. Ok. En gros, ça ressemble à un truc comme ça. Ce sont ceux de Navy Seals. Navy Seals. Mais bon, on s'en fout, c'est pour l'exemple. D'accord, ouais, donc en fin de compte, ça va donner ça après. Hein. J'aurais dû rester sur la page. Ok, alors c'est un peu le bordel quand on voit ça. Admettons que l'on charge nos images en 4000, ce qui n'est pas totalement con non plus. Bon, alors ça, c'est un truc qui dit souvent, ce n'est pas totalement con non plus. On peut les mettre, non, c'est pas bête non plus. On peut les mettre en C00, ce n'est pas totalement idiot. J'suis en train de me foutre de sa gueule, c'est pas bien. Surtout que c'est moi qui pige pas. Le premier tile ou tile, bah il a raison, c'est simple. Arrêtez de faire chier avec vos c'est simple. On voit bien que c'est pas vous là qui galère là, qui galérez. Le suivant en dièse 4000 plus hauteur largeur fois la hauteur. Ok, bon ça c'est pas compliqué. Le suivant en dièse 4000 plus hauteur plus etc etc. Ouais bon ça ok j'ai compris. Ce qui revient à la même chose que ce que vous avez déjà fait pour l'affichage de texte. Oui, ça j'ai compris. Ça c'est parti loin, mais je vois. Jusque là, ça doit aller normalement. Le pire, c'est que j'ai fait ce cours-là, donc je suis censé comprendre ce que je raconte. Mais comme c'est parti loin, c'était pendant les vacances, et que finalement j'ai été assez vite à le faire sur le moment, mais j'étais vraiment dedans, quoi. Donc du coup, bah, j'ai moins de souvenirs que les sprites où je suis resté pendant un diplôme sur l'affichage d'un sprite, quoi. Rien de bien compliqué. Et pour le coup, la suite est évidente. Ce que l'on veut faire, c'est lire une table avec les numéros des tiles. Je sais pas comment ça se dit, franchement. Vous dites comment, vous, des tiles ou des tiles? Je sais pas comment ça se dit, moi. Pour ensuite afficher à l'écran dans le même ordre. Notre table peut être dans cet ordre. En fait, ça, j'avais bien compris. Parce qu'en fin de compte, ça constitue le décor. Si, admettons, 0,0, c'est juste un carré noir, eh ben, ça affichera des carrés noirs à chaque fois qu'il y a 0,0. Et comme c'est une répétition du même graphique, là, dans un décor, ça économise de la place dans la RAM plutôt que d'afficher à chaque fois un décor complet. Je crois que j'imagine que la table doit servir à ça. Voyons comment nous allons nous démerder. Il va falloir dans un premier temps stocker notre tableau dans la RAM. Bah oui. Ou la ROM si vous voulez. C'est votre problème, pas le mien. Alors ça, j'ai pas compris. Ou alors me prenez pas la tête avec ça. Hein. Et bah si, on va te la prendre la tête avec ça. La RAM, donc c'est la mémoire qui est dans l'ordi. La ROM. Pour moi, la ROM, c'est ce qu'il y a dans les cartouches là, des GX4000. C'est quoi, du coup, quel rapport avec ce qu'on veut faire, nous, quoi? Je pige pas. Ah, Lorenzo, il dit tiles. Ok, on dit des tiles. Ziz, il lit même pas le chat Twitch. Non, le chat Twitch, quand je fais des chiants pour chiants, je le lis jamais. Parce que là, c'est le bordel à l'écran. Je peux rien afficher d'autre. Donc, c'est pour ça que je précise quand je fais un stream chiant pour chiant, que Twitch, non, il n'y a pas. Faut venir sur le chat d'Amstrad.eu. Si vous voulez être lu. La ROM sur une cartouche, oui. D'accord, donc j'avais pas tout faux. Pour cela, nous utiliserons l'instruction ASM. Donc, c'est une instruction pour l'assembleur, mais n'est pas codée en RAM, on est bien d'accord. Ah, 2.db. Oh putain. Eh, la première fois que je lis cette phrase-là, ça m'a refait la même chose la dernière fois. Ah tiens, il y a une instruction qui s'appelle ASM. Oh, on tape ASM. Non, en fait, la parenthèse, elle est tellement longue avant les deux points que du coup, je n'ai pas capté que c'était DB. Qui signifie databyte. Exemple, cuisine, databyte, tadadadadada, les numéros des tiles, et on est censé afficher donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 tiles sur une seule ligne. Donc on est à 30 tiles sur une ligne.
Bien entendu, vous me collez ça dans votre code à un endroit où ça ne sera pas exécuté. Le premier qui vient chialer pour un plantage, alors qu'il m'a collé ça dans sa boucle principale, je lui envoie en recommandé la dernière couche usagée de ma fille. J'ai vraiment eu de la chance de pas avoir foutu ça dans la boucle. Non, ça c'est des petits trucs qui vont être cherchés en annexe un peu plus loin dans le programme, ça. Ça j'ai bien compris. Donc pour afficher notre pièce, il va falloir du coup afficher la première ligne de tile, arriver à la fin de celle-ci, passant les créations. Plusieurs techniques peuvent nous donner le résultat. Au choix, on peut afficher une ligne et une fois arrivé au bout, calculer l'adresse de la ligne écran suivante, deuxième ligne de tile, nanana, ou alors avoir une autre table avec les adresses de chaque ligne de tile. Prenons un écran en DSC00, nous affichons 20 tiles de 8 x 16 octets, nous aurons une ligne complète en mode 0. Ouais, ok. Voilà, et là il y a du code. Bon, on va s'arrêter là sur le code, parce qu'en fait c'est bien gentil, mais je n'ai pas mes tiles. Je me suis dit la même chose. Je dis ok, d'accord, il va falloir afficher des trucs, mais j'ai rien à afficher, donc il va falloir que je les fasse. Mes tiles. 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 Et on tirkitrique, tirkit pas mon accent. Hein, on tirkitrique, tirkit pas l'accent. C'est compliqué à dire ça, hein, tirkité. Tirkité. Je tricite, tu tricites, il tricite, nous triquitons, vous triquitez. Ok, donc je vais passer sur un autre écran. Enfin, un autre écran, je le comprends. Non, ça faut que je laisse allumer, sinon je vois pas. Pourtant, tu chantes bien en anglais. En anglais, ouais. Chante bien, on verra. En fait, c'est de l'anglais avec de l'accent russe par moment. Donc, il va falloir que je fasse mes tiles. Mais. Donc, le jeu en question, c'est donc une adaptation d'un jeu pour Commodore, enfin, d'un jeu Commodore 64, donc Blinky Scary School. C'est ça ? Blinky Scary School, ouais, c'est ça. Et je me rappelle même plus du titre du truc sur lequel j'ai passé tellement de temps. Et donc, il va quand même bien falloir que j'ai des tiles à faire. Donc, pour les tiles, comment je faisais? Parce que là, je vais en recréer un tableau. Il va falloir que j'en recrée un. Et pourtant, j'en ai fait deux. Donc, avant de coder quoi que ce soit, il va bien falloir que j'ai mes tiles. Il va bien falloir que je les mette dans un fichier sous OCP Art Studio, les unes à la suite des autres. Donc, je vais déjà montrer ce que j'ai fait la dernière fois. Sous OCP Art Studio. Donc, soyons méthodiques. On va déjà commencer par ça. Alors, courbe BDC, on enlève. Winape, il est là. On va le prendre ici. Il est où? Il est là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, Winape ne répond pas. Bon, on va l'éteindre. Fermer le programme. Voilà, on va le rallumer. Voilà. Par contre, j'aimerais bien quand même voir ma souris quand je la balade sur l'écran. Voilà. Donc, je vais rouvrir le snapshot de OCP Art Studio avec mes tiles dedans. Un coup d'OCP Art Studio, un coup de basique pour les foutre en mémoire à plat. Ouais, il y a même plus que ça à faire en fait. Il y a même plus que ça. Vu que c'est un jeu qui vient de C64, j'ai dû faire autre chose avant. Donc, sous OCP Art Studio, donc mes fichiers, ils doivent être quelque part par là. Code source, RCM, machin, Bad Blinky OCP, Bad Blinky menu, Tiles, OCP. Donc voilà.
J'ai ça, moi, sous... J'avais fait ça sous OCP. Donc, tout ça, c'est mes tiles. Alors, qui sont déjà colorés. J'avais déjà défini ma palette. Ma palette, elle est là. Alors après, je ne sais pas si c'est de cette façon-là que ceux qui sont habitués et qui savent faire font habituellement. Bon, moi, j'ai fait comme ça. Voilà, je ne sais pas si c'est bien. Et là, il y a des tiles pour deux écrans de jeu. Tu pourrais faire une bulle. Ouais. C'est compliqué, hein, pour moi. Déjà, si j'arrive à recopier, c'est déjà bien. Alors, faire un truc... Tiens, d'ailleurs, du coup, j'ai vu un jeu en téléchargeant la base de données là, sur CPC Power d'un jeu où il y avait des bulles animées dans le jeu. Il faudrait que je retrouve. Et je me dis, ah tiens, ça me fait penser aux bulles de notre ami Moudougou. Donc voilà, et il va falloir donc que je continue ici à la suite de rajouter d'autres tiles. Alors ici j'ai un espace vide, je sais pas pourquoi. Faudra que je regarde à nouveau. Voilà comment. C'est la numéro combien? Parce que visiblement là il y a une tile qui est pas placée. Donc il va tout de même falloir que j'importe des tiles de quelque part. Donc j'ai un jeu sous un émulateur C64. Alors, je vais le charger et je vais faire une capture d'écran du jeu. Alors, load, disque drive, load and run. Quoique, j'ai peut-être dû faire un snapshot. Langage, on s'en fout, général, additional state, quicks. Alors, load, voilà, load. Load. Oh la vache, dans quoi j'ai pu mettre ça? Ça fait trop longtemps que j'ai pas retouché à tout ça. Si je suis ordonné, je vais les trouver facilement. Code source ASM, projet Blinky. Donc j'ai mis ça dans... là-dedans. Non, bah je vais relancer le jeu. Hein. Je sais pas où j'ai foutu ça. Load and run. Blinky. Donc j'ai viré les filtres sur le jeu. Censurez-moi cette infamie. C'est quoi? C'est à cause de l'écran C64. Faire tourner un C64 sur un CTM Amstrad. La grosse profanation du siècle. Nanana, il n'y a pas moyen d'accélérer maximum speed assis. Enfin une vraie machine sur ce site. Ça y est, je vais déclencher une guerre. Donc voilà, ça c'est le jeu que j'ai envie de refaire sur CPC, enfin que j'aimerais bien arriver à refaire. Donc là, je le charge en accéléré, hein. Hop là. Voilà mon petit Blinky. Donc ça, ce sont des screens que j'ai déjà fait. Ça fait partie des tiles qu'on a vus. Voilà. En revanche, celui-là, je ne l'ai pas fait. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon Blinky à un endroit où ça fait pas chier. Genre là où il y a une tile noire. Je vais le mettre sur pause au moment où la souris passe à un endroit où ça fait pas chier non plus. Alors, est-ce qu'il y a une pause sur ce truc ou pas? Ouais, il y a des pauses, on peut faire pause là. Donc c'est quoi? C'est Alt P. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, je vais faire une capture d'écran de ce truc.
Je pensais me faire ban, mais pas de réaction. Bah non, non, sinon il y a longtemps que Kalidor il aurait été banni avec ses Amiga et tout ça. Ah non, on aime, moi j'aime bien le C64 sur certains jeux, quoi. J'aime bien, voilà, c'est l'Amiga, j'aime bien aussi, mais bon, voilà. L'Amstrad CPC, c'est un peu différent. Et donc je vais capturer ça. Alors, hop, mon outil de capture. Capture région. Alors, faut au pixel près que je me place. Et il faut toujours faire gaffe que quand on fait ça, que l'écran de l'émulateur soit en Windows x1 et pas x2 ou x3, quoi. Sinon, c'est une vraie merde après. Hein. Save as. Donc ça, je sauvegarde. Je vais sauvegarder ça dans Images. Alors, Blinky. Stream Tiles. Voilà, j'ai enregistré en PNG. Je vais le refaire une deuxième fois parce que je suis pas sûr. J'ai peur d'avoir laissé ma souris dans la fenêtre de capture. Donc, dans le doute, je préfère le refaire. Hop. Capture région. Non, j'ai pas pu la laisser dedans, donc c'est bien. Donc voilà, et je vais essayer donc de reproduire cette map là. Ah tiens, ils ont déjà fini leur dessin animé. Alexis ? Oui ? T'as fini ton dessin animé ? Oui. Bah tu patientes un petit peu, loulou. Donc là, je peux fermer l'émulateur C64, j'en aurais pas besoin. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai mon fichier PNG. Maintenant que j'ai mon fichier PNG, il va falloir que dans cette image-là, je puisse extraire les tiles dedans. Et il y a un logiciel qui est vachement pratique, ça s'appelle Tile Studio. Non, Alexis, tu viens pas. Hein. C'est dangereux, en plus, il n'y a pas la balustrade ni rien, tu grimpes pas tout seul ici. Donc je disais... Non, tu vas te coucher, c'est l'heure. Pas encore, bah non, ils sont en vacances. Donc je vais ouvrir Tile Studio, qui est là. Voilà. Et donc dans ce logiciel-là, qui est où sur mon bureau, je vais ouvrir le fichier PNG. Alors... comment est-ce qu'on fait import tiles? Alors vous voyez certainement pas les menus parce que voilà la capture sous OBS, ça fait un peu n'importe quoi. Voilà, type de fichier bitmap PNG. Voilà, donc là j'ai choisi donc mon fichier. Donc dans le Tile Studio, il faut faire import tiles. Je vais ensuite sur mon bureau récupérer le fichier que j'ai capturé. Qui s'appelait, je ne sais plus, j'avais dit Blinky. C'était bien sur le bureau que je l'ai sauvegardé. J'ai un doute là. Où est-ce que j'ai mis ça? Non, j'ai mis ça dans n'importe quoi, moi, dans image. Alors, dans image, je la retrouve parce que c'est le bordel dans ce dossier-là. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, ici, ouvrir. Alors, je sais pas si vous voyez la deuxième fenêtre qui s'est ouverte. Non, donc je vais demander à OBS de la capturer. Capture de fenêtre. Tile Studio 2. Ok.
c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc là, on a la petite fenêtre qui s'est ouverte. Et donc, qui, en fin de compte, c'est le... Hop. Tac. Les gamins, ils sont en train de se faire engueuler. Tac. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma fenêtre. Et dedans, il y a des informations. Tile, width, height. Donc c'est la hauteur et la largeur. Et là, je me souviens plus. C'est quoi la largeur de mes tiles? Je vais regarder sur OCP. Je me souviens plus. Ah, c'est quoi ça? Une fenêtre marquée Error. Winapp émulateur ne répond pas. Hop, oh, je rouvre à nouveau Winapp. C'est pété de messages d'erreur sur Windows, quoi. C'est vraiment de la merde cet OS, quoi. Jamais rien qui va correctement. Windows, debug, assembly setting, non c'est F5. F5. Bureau. SNA. Dans quoi j'ai mis ça? Non, j'ai pas mis ça dans ce dossier-là. J'ai mis ça dans... Code source cours ASM, tile OCP, voilà. Je regarde vite fait dans OCP ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais la taille de mes tiles, parce que du coup je me souviens plus. J'aurais pu regarder dans le code aussi. Hop là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 de haut, alors normalement c'est des carrés donc ça doit faire 16 de large. Voilà, 16 pixels de haut par 16 pixels de large. Donc là, dans cette fenêtre là, je change, je mets 16 là, et là je mets 16 aussi. Oui, faut pas que j'oublie que j'étais en mode 0. Je vais vérifier quand même un truc dans mon code. Dans le doute. Fichier une complète de taille. Que je me plante pas. Ouais, ils font 16 lignes, donc c'est bien ça. Ils font bien 16 de haut. Et donc si c'est 16 de large, ça fait 8. Ça fait 4 octets. Donc 4 octets de large, ça fait bien 16 de large. Ensuite, je fais auto-détect. Il y a un truc marqué auto-détect. Et c'est quand même bien pratique, leur truc là. Donc je fais ça. Voilà. Et là, il me détecte en fin de compte mes tiles. Donc ça, c'est cool. Je les importe. Voilà, très bien. Alors là, je sais pas si vous voyez, donc là il m'a importé, je vais enlever la fenêtre. Voilà, c'est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Hop, je vais agrandir la fenêtre de Tile Studio pour faire un zoom sur ce que je veux montrer. Voilà, là tout en bas en fait. Ça fait une bande noire, à un moment donné on trouve une plateforme, les murs, et si je fais scroller cette barre là, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a tous les décors dedans en fait. Alors maintenant je peux lui dire à Tile Studio de m'enlever tout ce qui se répète. Par exemple tout le noir qu'il peut y avoir ou des trucs comme ça. Donc il est vachement bien foutu quoi. Il est vachement bien foutu comme logiciel. Je sais pas ce que je suis en train de faire là. Hop. Undo drawing. Undo. Alors, c'est dans le menu Tile, tout en bas, Remove Duplicate. Donc c'est pareil, vous ne voyez pas le menu, mais bon voilà, je fais ça. Il calcule.
Et je paf. Est-ce que vous avez vu le bas là? Il m'a tout réagencé en fait. Il est vraiment classe hein, ce logiciel quand même. Hop, j'ai un petit zoom. Voilà, ce qui fait qu'il m'a... voilà, même les sprites et tout. Donc ça, par contre, les sprites, voilà, c'est peut-être un truc que je vais pas garder. Mais voilà, on a tout en fait là. Par contre, je vais garder que... alors oui, il y a même le HUD. D'ailleurs, que j'aurais peut-être même pas dû capturer. C'était complètement stupide. La souris, le parchemin. Voilà. Bon, moi, ce qui va m'intéresser, je pense que c'est ça, surtout les plateformes. Enfin bref, une fois qu'on a cette partie-là, en fin de compte, de l'écran d'isolé, il y a Paco sur Twitch. C'est qui ça, Paco? Je connais pas, moi, Paco. Faut être un blaireau pour avoir un pseudo comme ça, quoi. Paco. Placo, tu veux dire? Tu veux dire que t'es en train de bricoler chez toi? Je connais pas de Paco, moi. Donc une fois que Tile Studio c'est fait, bah on en a plus besoin. Donc moi j'ai pris les tiles, donc j'ai pu choper en fin de compte sur le C64 ce qui me plaisait. Donc Tile Studio j'en ai plus besoin, je ferme. Non je ferme pas complètement parce qu'il faut sauvegarder. Donc on peut sauvegarder cette image là. Donc on peut faire File. Et c'est... Comment est-ce qu'on avait on fait déjà Tile. Non, c'est File. Non plus. C'est Export Tiles. Je crois que c'est ça. Export Tiles. Voilà. Donc là, j'ai une deuxième petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. Alors, pareil, il faut que je capture à chaque fois qu'OBS, la moindre fenêtre, c'est pète couille. Parce que je peux pas capturer ma fenêtre d'écran. Ça me fait un écran tout noir. Je dois avoir une carte graphique de merde et un... Oh putain, les notifications de mes couilles, là. Faire foutre, là, putain, Facebook. Capture de fenêtre. Donc je vais capturer la nouvelle fenêtre. Tile Studio 3. Touk. Donc voilà, j'ai cette fenêtre là qui vient de s'ouvrir et donc je peux en fin de compte exporter au format bitmap ou PNG voilà mes tiles avec un fond transparent, enfin un peu comme on veut, donc c'est quand même relativement pratique. Donc j'exporte, on peut exporter au format PNG bitmap, donc c'est très bien. Voilà, tiles. Export, enregistrer. Je vais pas fermer Tile Studio tout de suite parce que si jamais. Alors... Hop là, ça je ferme. Tac tac. Voilà, et je vais ouvrir un autre logiciel. C'est Conv IMG CPC. Ça, faut que je ferme aussi. Tac, tac, voilà. Donc ça, c'est un autre logiciel et je vais importer ce que je viens d'exporter là-dedans. En espérant que je ne me suis pas trompé. Donc, lire une image. Lire une image dans image. Dans image. C'est que j'ai mis ça. Voilà. Ouvrir. Ah merde, fait chier, c'est pas ça. Garder la taille d'origine. Non, c'est pas non plus ça. Choisir la taille d'affichage. Non plus. Afficher échelle inférieure. Ah, ce serait peut-être bien ça. Je ne sais plus. Pour vérifier, je vais. Réouvrir ce que j'avais fait l'autre fois. Donc c'est dans bureau. Où est-ce que j'ai mis ça? Dans code source. Projet Blinky. Et donc j'avais fait ça. Regardez la taille d'origine, c'est pas bon.
À tous les coups, c'était 8 par 8 les tailles. C'est pour ça que j'ai pas fermé Tile Studio parce que dans le doute. Normalement, ça doit me donner ça en fait, quelque chose de cette dimension-là. Bah, ça devait être bon en fait. Je pense que ça devait être bon. Je sais pas ce que je cherche. Je cherche compliqué. Parce qu'il faut que je sache le refaire si je veux faire le reste. Mais en fait, c'est tellement. Une fois qu'on a trouvé le truc, après, passe au code, etc. Puis on le refait pas avant le prochain screen. Mais bon, quand je vais m'y atteler sérieusement, il va falloir que. Tiens, c'est bizarre ça quand même. Ah bah non, c'est bon. C'est bon. Elles sont à la bonne taille. Voilà, par contre, c'est le bordel, hein, voilà. Il y a un petit peu de tout. Ouais, plus personne ne s'en souvient. Ouais, de Paco. ah, il y a aussi... Ouais, une bien jolie palette. Ouais, bah en fait, ça c'est là, c'est juste l'image du C64, hein, il est très joli sur C64. Alors maintenant, eh ben, il va falloir que je. Hop, en. Voilà. Strat CPC, ça fait ça. Alors, du coup. Il va falloir que je l'ouvre dans Studio. Donc, il va falloir que je modifie. Est-ce que j'ai gardé mes fichiers de palette sur le logiciel? C'est pas sûr. Code source, AS, cours ASM, ok. Donc ça doit être là-dedans. Projet Blinky, stream, til, appliquer la palette. C'est moche. Tout bloqué, calculer. Calculer, alors on va changer encore un peu. Je sais plus comment j'avais fait quoi. Je me demande même si ça sert à grand chose que je fasse un stream quoi de ça quoi. Parce que je me souviens plus, donc je vais pas montrer grand chose quoi. Des fois je tombe sur des trucs sur un coup de peau quoi. Calcul automatique. Pas de tramage, lissage, non, c'était de la merde. Et je crois que c'est tout simplement ça, et ensuite je les ai retravaillés sur OCP Art Studio, quoi. J'essaie juste d'avoir un maximum de détails avec ce logiciel-là, en fait. C'était pas trop mal quoi. Après les couleurs faut pas en tenir compte hein, parce que c'est des trucs qui vont être changés quoi. Puis comme je suis obligé de retravailler les tiles une par une, et il y a un paquet d'éléments graphiques là que j'ai déjà, donc il y a des trucs que je vais pas garder. Bon, or une fois qu'on a ça, j'espère que je vais pas me gourer, on l'exporte dans un fichier lisible par OCP Art Studio. Donc, si, je vais savoir retrouver. Ben, en même temps, si je fais des streams, c'est pour me pousser aussi à rebosser le truc. Les pierres qui sont dans le fond, je les ai déjà. Moi, ce qui va m'intéresser, je pense, ça va être surtout les plateformes, là. Ça, je les ai pas, ça. Donc, je vais sauvegarder ça dans un fichier SCR. Que je vais appeler capture stream. Ça, je vais comprendre d'où ça vient. Voilà, donc là, il génère un fichier SCR qu'on peut lire sur une disquette. Encore faut-il, donc ça, j'enlève, ça, je ferme aussi. Je réaffiche Winape. Encore faut-il le mettre sur une disquette, le truc.
Donc là, c'est pareil, c'est un autre logiciel. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. Non. CPC Disk XP. Bon, c'est nouveau maintenant, ça m'affiche ça. Enfin bref. D'accord, donc ça me l'a mis dans ce truc-là. Ok, bon, enfin bref. Voilà, et ça me permet en fin de compte d'injecter sur une disquette ça. Alors je vais ouvrir une disquette que j'ai déjà. Donc je vais faire disque editor. Alors là j'ai une autre fenêtre qui s'affiche. Parce que par le plus pur des hasards, bon, ça aurait été trop bien. C'est vraiment casse-couille ça avec ce OBS quoi. Capture de fenêtre, ok. Voilà, j'ai cette fenêtre-là qui s'affiche et je vais pouvoir ouvrir une disquette. Donc une disquette que je vais trouver dans Projet Blinky. Tile Blinky. Ah bon? Il veut pas. Bon, moi je sais pas pourquoi il veut pas. Blinky Test Core Updated Blinky, Projet Blinky. Voilà, bon, j'ai tout ce merdier là-dedans. Je vais rajouter le fichier que j'ai obtenu, donc c'est un fichier SCR, donc ça, je le rajoute dedans. Add File. Je vais rajouter, donc c'était Blinky ou Tile Stream, je sais plus comment je l'ai appelé. Projet Blinky. C'est un fichier SCR. Où est-ce que j'ai mis ça, moi? C'est le bordel là-dedans, sans déconner. C'est vraiment un bordel pas possible. Ah, ça c'est des fichiers ASM, DSK, Projet Blinky. ASM, ASM, ASM. Ah voilà, ils sont là. Donc c'est un fichier SCR que j'ai appelé capture stream. Ouvrir. Donc ça va être juste capture. Donc voilà, ça me l'a rajouté dans la disquette. Voilà, je sauvegarde ma disquette. Projet Blinky, enregistrer, remplacer, oui. Je ferme. Voilà, donc comme ça. J'ai ce qu'il faut dedans, ça je ferme, je reviens sur Winape. Je vais cette fois-ci retourner dans OCP Art Studio. Donc, c'est pas grave, c'est pas du CPC, mais si en fait. C'est vachement important en fin de compte de savoir que ben, quand tu veux choper des éléments graphiques d'un autre jeu, tu as tel logiciel qui te permet de convertir. Et c'est lié en fait hein, à la programmation sur CPC. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais là on a des outils que je trouve franchement pratiques quoi. C'est quand même vraiment pratique. Donc là je vais aller chercher ma disquette. Open, alors faut que je mette quand même la disquette que j'avais eu, c'était Projet Blinky, ok. Cannot create. Quoi? Ah, mais on s'en fout de ça, on va te faire foutre. Je sais pas, Winamp qui me fait des erreurs à la con alors qu'il n'y en a pas. Catalogue disque. Voilà, j'ai mon fichier capture qui est apparu là, du coup, que je charge. Voilà, et donc évidemment c'est le bordel. Et je vais prendre des éléments qui vont m'intéresser. Genre par exemple les plateformes, je les ai pas. Les plateformes, je les ai pas. Donc il va falloir que je les prenne. Je vais changer les couleurs de la palette là parce qu'on n'y voit pas grand chose. Genre le bleu foncé là, ils sont gentils, mais je vais pas voir ce que je découpe moi.
réduis ça. Ouais, voilà, ça je l'avais pas déjà en double. Ouais, c'est juste histoire de pouvoir découper des trucs. Alors comment est-ce que j'avais fait la dernière fois? J'avais pas fait ça parce que là je me retrouve avec des tiles en double. Genre là, les têtes de mort et tout ça. Donc je pense que j'ai merdé dans Tile Studio. Bon, je sais ce que je vais faire. De toute façon, c'est rapide. Donc je l'ai fait une fois là tout de suite. Je vais pouvoir rapidement. Réouvrir Tile Studio. Voilà, je vais importer mes tiles. Parce que tout à l'heure j'ai mis 16 par 16, mais c'est pas bon. Je me suis trompé. C'est pas possible. Donc c'est un fichier PNG que j'avais dans l'image. Donc c'était mon truc, c'était Blinky. Il doit être par là. Parce que je suis pas encore à l'aise avec tout ce qui est proportion entre ce qu'on voit à l'écran sur un. Enfin, ça, encore l'habitude. Hein. Hop là. Ok, alors au lieu de faire tile width 32 par 32, j'avais mis 16. Et ben ça se trouve, c'est 8 par 8. Parce que 16 par 16. Autodétecte. Ouais, non, c'est pas. C'est sûr que c'est pas ça. Et pourquoi est-ce qu'il me remet 32 lui? Si je mets 8 par 8. Ah oui, non, bah oui, mais je suis con, j'avais fait autodétect tout à l'heure. C'est pour ça qu'il me l'a pas pris en compte, le 16 par 16. Je m'aperçois que dans le logiciel, en fait, ça te l'annule. J'aurais dû laisser 16 par 16 comme ça. Mon calcul était bon. J'importe. Voilà, très bien. Ensuite, je lui demande. J'ai mal utilisé Tile Studio. Ensuite, remove duplicate. Voilà. C'est déjà un peu plus cohérent visuellement. Par contre, c'est chiant là qu'on puisse pas tout voir comme on veut. Et ensuite, export tiles 320 bitmap png. Oui, je le remplace. Voilà, je ferme Tile Studio. Je réouvre conv img cpc. Lire image. Ça plus que tout à l'heure, parce que déjà là je viens de le faire. Donc là, je cherche un peu moins. Donc c'était dans image. C'était. Non, ça c'est pas celui-là. Dans les B. Voilà, Blinky. Stream Tile Export PNG. Voilà, je l'ouvre. Garder la taille d'origine. Non. Proportion échelle inférieure. Oui. Je comprends pas, c'est le même là. Non, c'est bon. Calculer. Calcul automatique, contraste un peu moins. Qu'est-ce que j'avais utilisé aussi dans Convim GPC? Il y avait un autre truc. Ouais, non, le lissage c'est tout pourri. Par contre, c'est pas bon parce que j'ai la même chose que tout à l'heure. Ça c'est sûr que non. Utiliser la taille écran, non. Taille d'origine, non. Choisir la taille d'affichage, non. Garder les proportions, échelle inférieure. Non, 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 non. Je refais.
fait avec Tally Studio. Import Tile. Fichier PNG. Si en 8 par 8 c'est pas mieux quoi. Ça me semble bizarre. Edit. Remove duplicate plutôt. Ouais, c'est peut-être plus. Ah oui, voilà, c'était en 8 par 8. C'était 8 par 8. Ça me rappelle plus quelque chose que. Export tiles, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Blinky stream tiles export enregistré, oui, remplacer. On ferme ça, non, on sauvegarde pas. Donc c'est 8 par 8 dans un jeu sur C64. Il faut marquer 8 par 8 quand on chope les tiles. Donc conv image cpc, lire l'image. Dans les B, blinky export tiles. Garder la taille d'origine. Non, proportion échelle inférieure. Voilà. Enfin. J'écoute des auditions ratées d'American Idol en même temps que je regarde Discord. Extraire des sprites, putain, c'est glauque, mais ce n'est pas chiant par contre. American Idol, non, c'est pas chiant du tout, quoi. Par contre, on stream, ça doit être super méga lourd à regarder. Contraste, alors. Comme ça, j'ai mon HUD qui est là, tout ce qui va bien. Ok, maintenant je peux sauvegarder. On y arrive, on en est qu'à au til. Alors, stream til, je vais l'appeler stream tiles.sr dans le fichier image. Il faudra que je m'en souvienne. Je retourne sur WinApe dans Art Studio. Ah oui, non, c'est vrai, il va falloir que je mette ça sur la disquette. Donc on réouvre le logiciel. Hop, DSK Editor. Oh, tant pis, hein, je capture pas toutes les fenêtres, hein, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Open, projet Blinky, ouvrir, add file, image, stream, tile. Voilà, je l'ai appelé autrement, streamt. point .sr, voilà, je sauvegarde le truc, on le remplace. Oui, cool note open file. Oh, fait chier parce qu'elle est déjà ouverte là. Mais qu'est-ce qui me casse les couilles là? Save, projet Blinky, enregistrer, remplacer. Oui, parce que sous Windows, on peut pas enregistrer sur un fichier qui est déjà ouvert dans une application quoi. Sous SX, ça fait pas chier quoi. Pas obligé de se casser les burnes à faire de la merde comme ça à chaque fois avec les logiciels. Perte de temps inutile. Alors, F5, OCP Art Studio. Est-ce que. Ouais, c'est dedans. Alors, je remets la bonne fenêtre. On va chercher le fichier avec les tiles. Hop, catalogue disque.
Donc c'est StreamTi que j'ai mis dedans, voilà, qui est là, on charge. Voilà. Bon. Je vais à présent sauvegarder tout ça dans un fichier Win et puis le réimporter dans l'autre fichier où il y a déjà tout ce qu'il faut. Alors, créer une fenêtre. Puis j'effacerai donc du coup, mais dans l'autre, ce que j'ai en double. Voilà. Et ce qui est bien avec ce stream là pour moi, c'est que si jamais je me souviens plus, bah, je vais regarder comment j'ai fait. On veut te voir en chier sur du code. Bah attends, là on en chie déjà tout simplement sur tes logiciels, tout bête quoi. Voilà, on va sauvegarder. Je sauvegarde pas la palette, ça sert à rien. Taper le nom du fichier. Alors, tile 3. Voilà. Je vais réouvrir le fichier où il y a mes tiles qui sont valides. Voilà, c'est-à-dire celui-là. Et je vais donc ouvrir. Ah merde. Hop là. La fenêtre de ce que je viens de sauvegarder. Et l'importer là-dedans. Alors, catalogue disque. Parce que là, il restait en RAM. Donc, voilà. Tile 3. Chargé. Voilà, je vais mettre ça genre là, histoire d'être tranquille. Ah, fait chier, il y a ça. Ma palette est pas bonne. Ma palette est pas bonne, j'aurais dû y penser avant. Je vais faire un truc. Je vais réouvrir StreamTi. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux juste ouvrir une palette? Je ne sais pas. Non, on ne peut pas charger une palette. En fait, la palette, j'aurais dû le faire dans conv img cpc. Dans ce logiciel-là... Tout en bas, voilà, il y a une palette et je crois que je l'avais déjà sauvegardé un fichier avec ça. Je vais refaire comme si je refaisais le truc. Blinky stream tile export, hop, échelle inférieure, calculer. J'avais mis un contraste à moins 25, je crois. Calcul automatique. Bon, ça doit être un truc dans le genre. Je vais lire un fichier palette que j'avais dû sauvegarder, justement. Un projet Blinky. Ouais, alors il y a HUD.pal, screen.pal, til.pal. Ah, voilà. Mais alors, par contre, je suis pas sûr de l'avoir terminé vraiment. Hein. Oh non, je suis pas sûr que ce soit ça. Appliquer la palette. Non, c'est pas ça. Parce qu'il faut que là, en fait, ce soit la même palette que l'autre. Bah, c'est pour ça, je vais la remettre là. Hein. Appliquer la palette. Pourquoi est-ce que quand il fait appliquer la palette, il fait chier là? Par exemple, ça, si je veux que le blanc ça devienne du noir, je fais ça. Appliquer la palette. Ah non, il veut pas. Faut les bloquer alors. Alors on va lire la palette.
C'est pas celle-là. Non plus. C'était dans le HUD. Non, pas, c'est pas le HUD. Non, c'était dans tile.pal. Ouais, si, c'était celle-là. Sauf que celle-là, j'avais changé. Je suis passé sur cette couleur-là. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, je suis passé en jaune un peu plus vif. Là, c'était du rouge. Là, c'était du orange. Ce qui est marrant, c'est que je me souviens même plus avoir fait ça, quoi. Après, c'était du bleu en 02. Après, c'était du comme ça. Ensuite, c'était du bleu très clair. Ensuite, c'était couleur. Je sais pas comment ça s'appelle cette couleur-là. 18. Et la dernière, c'était ma couleur transparente qui donc sera pas utilisée, qui était celle-là. Et il faut que je la sauvegarde. Alors déjà, je vais bloquer tout. Je vais la sauver. Oui. Appliquer la palette. Voilà. Et là, ça m'a modifié en fin de compte ma palette. En fait, il fallait que je la bloque. En fait, je me souvenais plus. Voilà, qu'il fallait que je la bloque. Donc là, ça m'applique des couleurs qui ont été changées, ce qui fait que quand je vais faire sauvegarder l'image, donc c'est un fichier SCR, hein, je l'avais appelé StreamT, c'était ça. Je l'avais appelé StreamTiles. Voulez-vous le remplacer? Oui. Voilà, on retourne sur Winape. Non, oui, enfin, même pas. À nouveau le logiciel avec la disquette et tout ça. Pour la foutre sur la disquette. J'espère qu'ils n'ont pas laissé les chats rentrer. Hop. Non, pas new. Open. Ah, puis il faut que je ferme Winamp, sinon il va faire chier. Ouais, je vais aller jeter un coup d'œil. Hop là, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Très bien. Ta palette n'est pas appliquée correctement. Ben non, c'est pas la même que sur OCP. Enfin. Bon, j'ai pas l'habitude hein, de jongler avec les palettes et tout ça, mais bon, je pense qu'avec de l'expérience, et c'est là que ça fait toute la différence entre un noob comme moi et puis ceux qui font ça déjà depuis des années, j'ai pas les réflexes. Donc add file, je sais même plus si je l'ai rajouté, tiens. Image, donc dans le doute. Stream tile, not enough place. Bon, pourquoi? Eh ben, on va enlever celui-là. Puis on va le remettre. Oui. Save. Enregistrer, remplacer. On ferme, exit, ça aussi. On revient sur Winape. Ensuite, OCP Art Studio. Voilà, on réouvre. Catalogue disque. StreamT chargé. Voilà, déjà c'est pas les mêmes couleurs que tout à l'heure. Fenêtre, créer une fenêtre.
Exile 3, c'était celui-là. Sauver. Et j'ai pas sauvegardé la palette avec, normal, parce que j'en veux pas de celle-là. Et je vais réouvrir donc ça. Je vais recharger le catalogue disque. Là par contre je vais décocher palette. Voilà. Tile 3. Chargé. En théorie. Voilà. Et là du coup j'ai ma bonne palette. Donc, et puis donc là bon les pierres elles sont violettes et marron, mais c'est normal parce que ça c'est un truc que j'ai rechangé à un moment donné. Mais bon là c'est bon. Voilà, et donc là ça me donne les bonnes couleurs à remanier. Alors, je vais devoir dégager certains trucs qui sont en double, que j'ai déjà en fait. Par exemple, ça là, ça je l'ai déjà ici. Ça c'est la même chose en fait. Les briques là en fait sont les mêmes ici. Ce que j'avais de différent en fin de compte ce sont les plateformes. Alors pour s'en rendre compte il faut réouvrir donc la capture du jeu sur C64. Alors qui est dans l'image. Tac, donc on avait ça de charger. Donc il y a des choses que j'ai déjà moi. Et des choses que je n'ai pas. Donc par exemple là l'espèce de bordure là en bas, ça je l'ai déjà. L'espèce de les pierres là, je les ai déjà. Les plateformes, je les ai pas. Donc ça je vais les prendre. Ça je vais les prendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà au moins utiliser les plateformes. Donc, je vais grossir le truc, je vais regarder quand même où est-ce qu'elle se limite. Elles font combien de large mes tiles ? Je regarde à nouveau parce que je me souviens plus exactement. Une qui est simple, bah, celle qui est noire, là, en fait, une carré noire. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de large par 16 de haut, hein, je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 avec la bordure. Ouais, elles font 16 par 8. Donc il faudra que j'utilise donc ici, je fasse la même chose. Seulement il y a un problème. Il y a un problème. Non, c'est bon. Oh, je me souviens plus comment elle s'affiche. C'était pour le HUD 8 par 8 en mode 1. C'est vraiment le bordel à faire. C'est vraiment le bordel à faire. De toute façon, ce stream-là, à mon avis, il va être en 2-3 streams. Je vais pas y arriver comme ça en une soirée. Je me souviens plus de rien. Le problème, c'est qu'elles sont pas carrées, là, mes tiles. Elles sont pas de la bonne hauteur. C'était donc bien 16 par 16. Ben on va refaire ça. Import tiles. Je veux juste au moins arriver à refaire des tiles correctes. PNG.
c'est ça. Et ensuite, export tiles, 320, bitmap, export, enregistrer, remplacer, on ferme, no, on réouvre là-dedans. Elles ne sont pas obligées d'être carrées, mais en l'occurrence, il faudrait mieux que ce soit les mêmes que celles du jeu d'origine. Ben oui, mais surtout les mêmes que celles que j'ai fait sur les deux décors avant. Sinon, ça va être tout pourri, quoi. Hop, lire une image. Voilà, donc Blinky, Stream, Export. Garder taille d'origine, non, c'était garder proportion échelle inférieure. Là, je comprends, là, quand je vois ça. Ensuite, lire une palette. Donc, c'était là. Projet Blinky. Tac. On bloque la palette. Appliquer la palette. Contraste. Moins 25. Je crois que c'était ça. Hop, sauvegarder. Image. Streamtile.sr, oui, remplacer, on ferme. On ferme aussi Winamp, sinon il va faire chier. Disque Editor, Open, Taille Blinky, non c'est pas ça que je voulais, Open, c'était Projet Blinky, StreamT, ça enlève, on rajoute le fichier StreamT, qui est, voilà, oui, Save, enregistrer, oui, close, exit, on retourne sur Winamp, hop, on retourne sur OCPR Studio, on rechoppe le fichier StreamT, on le charge. Voilà, fenêtre, créer une fenêtre, voilà, fenêtre, disque, tile 3, sauver. Retourne sur Metal sous OCP, disque, non pas disque, fenêtre, hop, on va charger le catalogue disque, cette palette là on s'en tape, 3, charger, voilà. Ah, voilà, là j'ai quelque chose qui proportionnellement est cohérent. Donc je vais bien pouvoir utiliser une fenêtre pour prendre en fin de compte ça, la plateforme qui est là. Alors, il faut bien se mettre dessus. Voilà, ça c'est la largeur de ma plateforme parce que je pense qu'il n'y a que ça que j'ai besoin de rajouter dans mon truc. Je vais vérifier après. Ensuite, on fait couper copie. Est-ce que c'est de la même dimension? Ouais, ça match. Et en largeur, pareil, nickel. Et je fous ma nouvelle tile ici. Une de plus. Je vais sauvegarder en fin de compte l'ensemble.
en fichier SCR, qui va s'appeler StreamT du coup, parce que j'ai plus beaucoup de place sur là. Je vais sauvegarder ma palette, sauver StreamT. J'espère que ça peut me garder la place sur la disquette. Parce que s'il me génère un fichier .bac, ça ne va pas me l'effacer du coup. A priori c'est bon. Donc voilà. On remate un tout petit peu la... faut vraiment comparer par rapport à ce qui me manque comme... Par exemple, j'ai une... j'ai ça en plus. Alors maintenant, ici, ça j'ai déjà. Ça, je l'ai déjà ici. Je pense. Ça, je l'ai déjà ici. Et c'est posé, et juste avant il y a une espèce de le mur en question, il est là, le parterre il est ici, qu'ils ont placé là. Puis bon, s'il me manque une taille, c'est pas grave, parce que je pioche là dedans en fait, hein. Je pioche dedans et je vais essayer donc de passer à la suite. On va partir du principe que ça, c'est mon nouveau fichier de tile. Donc là, j'ai deux tiles pour ma plateforme. Donc c'est les deux dernières. Je vais donc transformer ça en fenêtre, parce qu'il va falloir le mettre en mémoire. Hop. Et aller chercher le numéro de la taille comme on allait chercher le numéro de la lettre, en fait. Comme si c'était une fonte. Donc je prends ça, je vais par la même occasion dupliquer ma disquette, parce que si je fais une connerie sur ma disquette, ça va me faire chier. Code source ASM, projet Blinky, et là je vais prendre celle-là. Projet Blinky copie. Ok, très bien. Voilà. On sait jamais. Donc là j'ai ma fenêtre. Donc je vais la sauvegarder. Disque. On va l'appeler. Alors Tile 3 on s'en fout maintenant parce que j'ai l'ensemble. Donc Tile 3 c'était que le bas, donc on s'en fout. Taille 3, on va... Voilà, ça me génère un fichier SCR. Disque full. Bon, fait chier, j'ai plus de place sur cette disquette là. Je vais... Qu'est-ce que je peux virer? Je vais faire effacer taille 3. Êtes-vous sûr? Oui. Voilà, je vais sauver, taper nom de fichier taille 3. Fait chier ces disquettes avec 128K là. C'est bon. Bon, voilà. Donc ma fenêtre est sauvegardée. Bon. Ensuite, il faut que je mette ça en binaire. Parce que là, c'est un fichier .win. Donc il va me falloir le logiciel Font Catcher. Le voici. Font Catcher. Mes icônes de Winamp en bas qui bug complètement. Font Catcher, et il faut que donc disque opération. Alors load Windows, hein, c'est une window. Par contre, j'ai plus de place sur ma disquette. Je vais faire du vide sur ma disquette avant.
Je vais regarder ce que j'ai dedans. Je suis sûr que j'ai plein de fichiers .bac. Ouais, j'ai un fichier .bac de 4 kilos. 17 kilos. 1 kilo. On va les effacer. URA, virgule, guillemets, étoile, point bac. Voilà. Hop, on prend fond de catcher. Ok, là. Disque opération, Windows. C'était tile 3, alors ça c'est mon fichier de palette, voilà, fichier win. Voilà, donc ça c'est un fichier en mode 1, c'est normal. Ensuite, il va falloir sauvegarder la fonte, même si c'en est pas une. Non, je fais n'importe quoi. Comment on fait pour revenir? Voilà. Back to main menu. 7 fonds de paramètres. Hop là, size and position. Alors je sélectionne la largeur, la hauteur d'une tile et la largeur. Je crois que ça doit être ça. Hein. Current grid. Donc normalement ça doit tomber juste. Ouais, voilà. Ah non, j'ai été trop d'un pixel là, parce que là ça tombe pas juste. Donc size and position. Hop, on revient d'un pixel en arrière. Card grid. Ah voilà, ça c'est bon. Et là ça tombe juste. Ok. Nombre de caractères, on va effacer les dernières. Voilà. Alors je sais pas pourquoi j'ai une tile qui est vide là-haut. Je trouverai un truc à y mettre. Donc ça c'est ok. Back to main menu. Vertical, non. Horizontal. Pour que ça aille avec mon code. Disque opération. Save font. Tile 3. 4 bytes par 16 lignes, ok. Nombre de caractères 57. Donc le 57, donc ça, vu que ça commence à 0, donc c'est 56. Donc normalement c'est ma tile 55 et 56 qui devrait être bonne. Voilà, donc normalement sur ma disquette, j'ai mes tiles de mise à jour. Je voudrais juste vérifier un truc. Que je me suis pas planté dans la sauvegarde de mes tiles. J'ai montré déjà ce que je devrais obtenir. Ce que je dois obtenir. Tu m'étonnes que tu fatigues, ça doit être chiant. Et puis en plus, ça fait déjà 1h25. Donc, je vais vérifier par l'autre programme. Donc, F3. Alors, je vous affiche mon assembleur. Hop là. Il est un petit peu gros là. On va réduire un petit peu ça. Donc mon programme en ASM qui est là. Alors c'est pas celui-là, hein. Ça c'est fichier Blinky, XOR, machin, on va tout fermer parce que ça me sert plus à rien. Hop. Voilà, et on va ouvrir. Afficher une tile en ASM. Voilà, alors moi mon programme il était en 8000, mes tiles je les avais mis en 4000 et j'avais fait une table, donc ça c'est ce qu'on verra après dans le truc de BDC. J'avais même mis une ligne, je voudrais vérifier si ça fonctionne ça. Je vais assembler le truc et je vais charger mon programme qui s'appelle non c'est même
pas à cause de toi, ça a l'air d'être à cause de la piscine. Ah bah le chlore, puis le chlore ça te nique la tête, et la piscine c'est vrai que ça fatigue. Alors, sprite nantil, point basse. Tiens, je vais voir qu'est-ce que j'avais mis dans ce programme là. Alors, j'avais mis en 10, j'ai chargé til.bin, d'accord, donc j'avais bien mis mes tiles, putain, je vais pas y arriver, en 4000. Ensuite, alors ça c'est le masque de Blinky, alors ça on s'en tape pour le moment, j'avais chargé ça. Donc ça c'est pas tout à fait mon programme juste pour les tiles. C'est pas grave, hein, je vais virer 2-3 trucs dedans. Edit 10. Tile. Alors moi c'était désormais c'est les tile3.bin. On met en 4000. Blinky masqué, on s'en fout parce que ça c'est quand j'ai pu avancer un petit peu dans le programme. Là on n'a rien à mettre. Le sprite de Blinky, on le met pas non plus. J'ai besoin que de ça. Mon programme Blinky en ASM, j'en ai pas besoin parce que je vais le charger directement dans l'émulateur. Je vais faire moi-même le call 8000, donc ça je veux pas non plus. Et je vais sauvegarder ça. Test 3. Test 33, merde, dommage, c'est pas grave. J'assemble. Run tiles 3 not bin. Bah tu m'étonnes s'il n'y a pas de S normalement. Merde, mode 1 et 10. Faut que je vire le S. 16 guillemets 33. Oh merde, putain. Putain, combien j'ai à avoir de programmes identiques moi. Hop, ça je vais lancer dans la mémoire. Run. Je vais voir si call 1000. Ah oui, mais ça m'affiche tout au même endroit. Ça m'a affiché la dernière, j'ai l'impression. C'était pas ce programme là. Ça c'était pour afficher une tile en fait. Donc c'était pas le bon. Afficher une ligne complète. Ah voilà, c'était plutôt celui-là. Hop, on va recharger les 8000. Run. Run. Voilà. Donc ça c'est donc ce que j'ai sauvegardé. Je l'ai sauvegardé dans la mémoire comme il faut. Je vais vérifier si ma plateforme à la fin. Alors je sais plus, c'était 53, 54. Non, c'était en 54, 55, les deux dernières. Je teste un truc. Run. Ah merde, quel con, j'ai fait décaler le bordel. Ok, j'ai bien mon bout de plateforme, donc c'est bon. C'était pour vérifier si mon fichier a bien été sauvegardé dans la mémoire dans le bon sens, donc c'est bon. Donc l'opération que j'ai faite tout à l'heure, c'est pour sauvegarder mes tiles dans la mémoire. Donc ça, j'avais bien compris. Alors maintenant, on va passer à la partie du code. Avec la suite des cours. Alors, qu'est-ce qui est dit? Prenons un écran en diocèse. Si nous affichons 20 tiles de 8 par 16 octets. Putain, c'était écrit là. Nous aurons une ligne complète, en mode 0. Alors, j'ai adresse, push sel, on sauvegarde. Call lecture cuisine, donc là c'est on calcule l'adresse du tile dans la RAM, ouais c'est ok. HL contient l'adresse du tile à y fichier,
Call affiche tile, on affiche le premier tile, ok, pop HL, pop DE, on récupère rien, increment HL, donc ça passe au suivant, etc. 4 tech de large pour notre tile, etc. Si on veut afficher 20 tiles de large, il suffira d'ajouter un compteur de boucle, DJNZ fera l'affaire. Notre compteur de nombre de tiles, 20. Ok, push BC, donc ça c'est le 1, c'est le compteur de sauvegarde. Push D ou push HL, ça c'est la destination et la lecture des tiles dans la RAM. Call lecture de la cuisine, donc ça c'est la table, donc avec les numéros des tiles. H contient l'adresse du tile à afficher. Donc il va falloir que, en fin de compte, j'utilise ma routine d'affichage du calcul d'une lettre dans la fonte. Etc. Et puis après c'est toujours la même chose. Donc nous avons donc affiché une ligne complète de tile. Pas encore. Donc moi ce que j'ai fait, il faut que je revoie mon code parce que du coup ça va m'aider à me rappeler un petit peu de la façon dont j'avais procédé. Donc ça c'est le code que j'avais utilisé. Hop. Tac. Donc origine 8000. Voilà, et j'ai mis dans HL l'adresse de la table. Voilà, de ma table qui est plus loin, qui est là. Oh, fait chier, ça scrolle pas comme je veux sur OBS. Je vais être obligé de réduire l'affichage pour qu'on puisse tout voir. Voilà, donc ma table qui est là, sur une table de test. Et donc ça lit ça. Donc ça c'est le numéro de mes tiles. Avant ça c'était ma routine d'affichage d'une lettre dans la fonte. Donc moi j'ai repris la routine que j'avais utilisée pour afficher une lettre, pour faire mon scrolling de texte. Ma destination qui est C0. Et après donc c'est le cours d'Amaury. Push F, on sauvegarde en cas où. F, B. Alors voilà, ça c'est mon compteur de nombre de tiles. Là je sauvegarde le compteur. Je sauvegarde l'endroit où. Enfin le HL de la table. Je sauvegarde là où je vais écrire. Call calcul. Alors ça c'est le calcul de l'adresse de la tile. Alors ça c'est ici. Donc ça c'est tout simplement le calcul pour avoir le numéro, avoir le bon numéro de ma tile dans la fonte. En fait j'ai mon numéro qui est lu là, je mets le numéro de ma fonte dans HL, donc là j'ai le numéro de ma fonte de ma tile que je sauvegarde par le push HL, donc j'ai sauvegardé le numéro de ma tile. Ensuite par rapport au HL que j'ai là, donc dans le numéro de ma tile donc qui est balancé dans A, on met le résultat dans L, on met 0 dans H, etc. Là je suis en train de calculer en fait l'adresse en fonction du nombre de la longueur d'une tile dans la mémoire, parce que là en fait c'est stocké de façon linéaire, hauteur multipliée par la largeur. Ça fait un certain nombre de longueurs, ça fait une certaine longueur, et cette longueur là correspond à 0. La prochaine longueur c'est la 1, ensuite la 2, la 3, etc. Donc il y aura toutes les x octets, il y aura donc une taille de plus, comme si c'était une lettre dans la fonte. Donc ça c'était mon calcul, et une fois que j'ai fini ce calcul là dans HL,
Alors par contre, ce que j'ai fait là-dedans, c'est que j'ai utilisé BC. Avant, dans ma routine de fonte, j'utilisais DE. Je mettais 4000 dans DE. Mais mon DE était déjà utilisé. C'est le bordel, il me fallait un autre registre qui ne soit pas utilisé en fait. Parce que ça me pétait mon DE, même si... Enfin, ça marchait pas quoi, et je sais plus pourquoi ça fonctionnait pas quoi. Donc ça, c'est des routines que j'ai déjà utilisées. Mais du coup, je l'ai adapté. Et en mettant 4000 dans BC, bah, du coup, ça fonctionnait. Et ensuite, j'ai rebalancé ce qu'il y avait dans BC dans HL. Et vu que de toute façon, BC a été sauvegardé, vu que c'est mon compteur. Donc je l'ai récupéré après. Et donc dans HL, j'ai... Alors ça, c'est pas le bon truc. J'ai donc l'adresse du départ de la tile que j'ai lue. Ensuite, ça revient là, on rétablit DE, on rétablit HL, on incrémente HL, donc on avance, on incrémente DE, on avance aussi. Alors je l'ai incrémenté, il est incrémenté 4 fois DE, parce que ça fait 4 octets, je crois que c'est ça. Voilà, c'est écrit là dans le cours, qui est là. Voilà. Amaury, il marque. Voilà, 4 octets de large pour notre tile. Donc, du coup, il faut incrémenter de 4 octets pour se déplacer de 4 octets, en fait, finalement. Bon, jusque-là, ça va, on calcule l'adresse du tile en RAM et on affiche à l'écran. En sortie, l'adresse où est affichée notre tile est ink. Ok. Si on veut afficher 20 tiles, ah il a oublié un S, de large, suffit d'ajouter un compteur. Ouais, logique. Ça c'est le compteur, oui. Bon, là, il n'y a rien de compliqué là du coup dans le compteur. Donc du coup dans mon code, qu'est-ce que j'avais mis? Qu'est-ce que j'avais mis? Tac. Alors une fois que j'ai... Alors là ça affiche la tile. Mais là je l'ai déjà calculé. Et là je l'ai affiché. Affiche tile. Alors c'est tout simplement ma routine d'affichage qui date de l'an 40. Avec une boucle, 16 lignes de haut, 4 octets de large. Le long calcul de la ligne inférieure qui est là. Qui d'ailleurs fonctionne avec des longues, ça c'est bon. Etc. Donc là j'affiche la taille que j'ai lue dans la mémoire. Et ensuite on rétablit pop, HL, machin, nanana, on incrémente, on se déplace et on relit et on affiche et on relit et on affiche, etc. Ensuite on change entre HL et DE. Alors ça c'est la suite, c'est ce que il explique après. Call tile, pop HL pod 2. Ok, donc ensuite nous avons donc affiché une ligne. Alors, je remets là, bon. Notre adresse ayant été incrémentée par les 4 inc, nous nous retrouvons donc en C0 plus 80. 80 parce que en fin de compte c'est 20 fois 4 octets de taille en largeur, donc c'est tous les 80, ok. Ce qui nous met sur le deuxième bloc de ligne à l'écran. Ça fait 20 tiles de 4 octets de large, paf, ça passe à la ligne suivante, ok. Or, nos tiles faisant 16 pixels de haut, il nous faut être 8 lignes plus bas. Nos tiles faisant 16 pixels de haut, il nous faut être 8 lignes plus bas. Pourquoi 8 lignes plus bas? Oui, parce qu'on s'est déjà déplacé de 80, donc on est déjà à 8 lignes plus bas, mais il faut être encore 8 lignes plus bas. Soit 80 octets plus loin. D'accord, c'est ça. Rien de plus facile, il suffit d'ajouter 80 octets à l'adresse écran. Ok. Notre adresse écran étant dans DE, on la repasse dans HL. Bah oui, parce qu'il faut enregistrer 16 bits pour utiliser add. Ok, sans l'écraser vu qu'il contient l'adresse du prochain tile. Ok. Et après on la récupère en réinjectant HL dans DE.
Enfin, DE dans HL, parce qu'on a balancé HL dans DE, ensuite on rebalance DE dans HL. Ok. Bon, ça c'est bon. Reste plus qu'à donner le nombre de lignes de tile à l'écran. 12 le rempliront. Il restera 8 lignes en bas. Ok, donc on met un compteur. Voilà, c'est ça. Affiche écran, push F. On sauvegarde au cas où. Là encore, si A n'est pas modifié dans ce sous-routine, passez-vous de la sauvegarde. Alors je sais plus moi si A est modifié ou pas dans mes routines, faudrait que je regarde. B c'est le nombre de compteurs de tile, on se regarde. Donc voilà, donc là il nous met son code plus élaboré avec justement les 12 lignes. Les 12 lignes. Et donc dans le code, si on fait ce qu'il dit. Si on fait comme il dit. Open. Donc c'est ça. Donc alors moi j'avais créé une table, même deux tables, enfin bref, on s'en fout. Donc là je lis la table 2 là-haut, là à 10, ben, en fin de compte c'est 12 lignes de table, mais moi j'en ai affiché 10. Alors je sais plus pourquoi j'ai mis 10 et non pas 12, je crois qu'il y en a vraiment bien que 10 quoi. Faudra que je revérifie. Là, c'est le nombre de tiles à afficher, donc il y en a 20 sur une longueur. Ça, c'est le truc de tout à l'heure. On calcule l'adresse de la tile en fonction de son numéro. Donc, ça, ok. Là, on récupère donc l'adresse de la tile, machin, nanana. Là, on l'affiche. Les tailles font 16 lignes sur une longueur BC. Bon, ça c'est une routine d'affichage de base, ça c'est ok. Et là il y a la table, ok. Donc normalement ça, je l'assemble. C'est mis en 8000. Donc en théorie, si je fais load 33, quelle idée d'avoir donné ce nom de fichier là. Ça je vais mettre sur le côté. Donc, en théorie, ça devrait tout m'afficher. Voilà. Normalement, je devrais obtenir ça. Donc ça, c'est mon décor. Et je l'ai obtenu par le biais de la table qui est là. C'est la table 2, en fait, là. Donc en fait, sur ce que l'on voit, ça se voit par exemple sur une première colonne, si on regarde en colonne et pas en ligne. Donc là j'ai bien, tous mes zéros correspondent à des blocs noirs en fait. Et donc on a bien 13 en bas. En fait ça alterne 13, 14, 13, 14. Donc c'est bien en fin de compte ce que j'ai là en fait. Une alternance de... attends c'est chiant ça. Hop là. Une alternance ici. Tiens, c'est marrant que ça reste, la souris reste en cet endroit-là. Hop là, et là... Ah tiens, c'est marrant, en fait, ça capte pas le curseur. Je vais essayer de voir si, en faisant ça... Ah, voilà, capturer le curseur. Ah, bah voilà. Donc là, ici, en fin de compte, j'ai métal. D'ailleurs, si je fais ça avec le curseur, là, j'ai 13, là, j'ai 14, là, j'ai 13, là, j'ai 14. Et donc, normalement, dans l'image que j'ai prise sur la version Commodore 64... Voilà, j'ai des choses qui sont identiques. Donc, genre, ça, je l'ai déjà. Donc ça, je l'ai déjà. Les marches qui sont ici, je les ai déjà. Voilà, et en fait, sous les marches, il y a bien des briques de couleur noire et non pas de couleur blanche. Les briques de couleur blanche, je les ai là, elles sont sous une autre forme sur cette table là. Par contre je me demande si... non c'est bon, ça ok. Alors par contre je vais changer dans le code, je vais au lieu de lire la table 2, au lieu de lire la table 2 qui est là et qui est donc reportée,
qui est lu ici. Voilà, ici. Je vais lire la table 1 pour voir s'il n'y a pas des éléments de décor qui... Hop là, j'assemble. Run. Colle et 8000. Oula, ça chie dans la colle. Pourquoi ça me fait ça du coup? Je vais refaire un mode 0 ou CLS ou je sais pas quoi. Pourquoi est-ce que mon décor est comme ça? Bon, je vais resetter. C'est bien lent, bah ouais, tu m'étonnes. C'est peut-être pas encore comme ça qu'il faut faire pour que ce soit optimal, quoi. Tiens, j'ai une erreur. Comment ça se fait que j'ai une erreur dans mon code? Il me dit que j'ai une erreur ligne 2. Oh, quel con! Je lis une table qui n'existe pas. Bah oui, ma table 1, en fait, c'est table tout court. C'est pour ça qu'en fin de compte, ça m'a affiché de la merde. Ah là là. Voilà, ça devrait être bon, là, normalement. Non, il n'a pas encore fait le tutoriel d'optimisation, en fait. Tu sais, déjà, pour moi, c'est tellement complexe à intégrer. Voilà, donc ça, c'était mon premier screen. Et par rapport à la version C64, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai déjà des éléments. Par exemple, ça, je l'ai déjà. Là, ça, je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà. J'avais même changé la couleur. Le bas aussi, pareil. Ça, j'ai déjà aussi. Il y a deux sortes de fonds en briques, donc ah, par contre ça je l'ai peut-être pas, cette partie là, à moins que ce soit dans la table 2, j'ai pas fait gaffe, hein. Je réassemble, colle 8000, ah si c'est bon, je l'ai déjà, elles sont ici. Elles sont ici. Donc j'ai tout ce qu'il faut en fait hein, dans mon HUD de Teal, quoi. J'ai tout ce qu'il faut, quoi. Donc je vais pouvoir faire la table de ce niveau-là en fait. Par contre, ouais, ça va être galère de retrouver les bons tiles et tout ça. Donc en fin de compte, l'idéal, c'est de faire table 3. Donc ça, c'est en allant là-dedans. Donc là, ma table 3, ça va être ça. Hop, table 3. Et c'est celle-là qui désormais va être lue là-haut. D'ailleurs, que je vais sauvegarder comme ça. Parce que ça, je vais le garder après. Et je voudrais commencer par le haut. Le haut, a priori, ça commence directement par du noir. Donc le noir, c'est des blocs 0 en fait. Et donc ça ferait ça. Parce qu'en fin de compte... mon bas est en deux parties. Oh merde, le son qui se pète la gueule. Hop, ça c'est en deux parties. Hein. Une, deux. Et donc ça correspond... En fait, ma plateforme elle correspond à la largeur d'une marche. Ouais, donc j'ai bien deux blocs en zéro. Et après je démarre ma plateforme qui est là-haut. Donc il faut bien que je mette 0, 0. Dans le code là, faut bien que je mette 0, 0. Comment est-ce que je vais agencer ça? C'est vraiment pas pratique, quoi. Je vais faire ça comme ça. Ça en plus petit. Là. 0, 0, la table. Voilà, ma table.
table 3 elle est là, donc 0,0. Et là, il faudrait que j'arrive à choper donc le bon numéro de ma table de mes tillers. Je crois que c'était. Il m'avait dit qu'il y avait 55. Donc ça doit être 55 et 56. Sinon, je vais faire le test. Normalement, en 55 et 56, je suis censé avoir la taille de ma plateforme. Donc, je vais tester. Voilà, assemblage. Colle 8000. Non, c'est pas encore ça. Ah si, à tous les coups, c'est le... Non, ça c'est le bas de ma plateforme, ça. Non, c'est pas le bas de la plateforme, ça. C'est quoi, ça? Je vais aller voir dans OCP. Où est-ce que c'était barré? Ah, puis il faut que je réouvre ça, parce que du coup, je ne vais pas sauvegarder en mémoire. Quoi, je l'avais sauvegardé, je me souviens plus. StreamT? Non. Je me souviens plus. Ah si. Je vais faire un snapshot de ça parce que sinon c'est vraiment pas de couille. Ok. Taille OCP enregistrée, oui. Ici. Donc si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. En 16 et en 17 sur la ligne, donc 16 et 17 sur cette ligne-là, donc 16 et 17 fois 20 fois 40, 40, donc 40 plus 16, 56. Donc c'est 56 et 57. Donc 55 et 56. Bah j'ai bon là pourtant. Est-ce que dans mon programme ça dirait pas ça? Tu ne peux pas afficher une grille? Ah, bonne question, Extrabet. Afficher une grille, j'aimerais bien. C'est vrai que ça serait pratique. Mais je suis pas certain en fait. Je suis pas certain qu'on puisse afficher une grille en autre. Ah si, là. Une grille en 16 par 16, ouais, ça affiche que dalle. Attends, si dans autre, une grille de Xbox 16 par 16, non, je crois que ça ne veut pas afficher de grille. Non, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Pourtant, je suis au bon endroit. Normalement, c'est censé me lire ces tailles-là. Et ça ne me lit pas ces tailles-là. Je vais revenir. Je vais regarder ce que j'ai. Est-ce que j'ai bien chargé le bon fichier au moins dedans? Tile3.bin. Bah oui, tile3.bin. J'ai oublié d'assembler mon truc. Hop là, on va le faire. Assemblage. Sous OCP, tu ne peux pas. Ah non, je suis en train de relire la même chose. Je crois qu'il y avait un truc qui s'était affiché. Ah bah si, voilà, bah si, c'est bon. Ah, j'avais dû faire un truc qui n'est pas bon. Ah voilà, donc là, en fin de compte, ma taille s'affiche bien. Par contre, je suis pas au bon endroit dans l'écran. Donc c'est pas sur la première ligne. En fait, graphiquement, normalement, ma plateforme, elle est pas censée être dans ce sens-là. Ce qui veut dire que sous OCP,
là, ma plateforme qu'on voit là, elle doit pas être en haut, mais elle doit être en bas par rapport au noir. Donc on va changer ça. Fenêtre. Créer une fenêtre. Alors, je sais pas si je suis bien dans l'axe là. Non, c'est pas bon. Non plus. Voilà. Tac, ça c'est ok. Et on va faire coupe, efface et copie. Donc de 8 lignes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et le noir qui est en bas, on le remet en haut. Effacer copie, d'ailleurs je peux même faire ça direct. La grille, c'est en mode zoom seulement. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, puis enlever la grille en mode zoom, finalement c'est vrai que ça sert pas à grand chose parce qu'on en a besoin. Hop, et donc ça je le replace là haut en fait. Par contre j'en ai peut-être pas copié assez là, ce qui va me manquer une ligne là. Justement, je vais la rajouter. À moins que... Non, c'est bon, normalement. Hop là. Non, je vais me mettre en x4. Ah, c'est parce que je suis pas bien placé, d'accord. Ok. Donc, il me manque pas une ligne, c'est juste que je suis bigleux, hein. J'ai pas bien vu mon truc, là. Coupe, efface et copie, c'est juste que ma plateforme elle est trop basse. Voilà. Touk. Ah bah voilà. Donc ça c'est bon. On va faire une sauvegarde. Alors ça veut dire qu'il faut sauver ça. Du moment qu'il ne met pas disque full, c'est que c'est bon. Je vais sauvegarder ça en snapshot. OCP style, tiles. Hop. Deux heures de stream déjà, putain la gueule, heureusement que c'est bientôt fini. Je retourne sur ma disquette parce que je voudrais effacer les fichiers .bac qui sont générés, et comme j'ai plus beaucoup de place sur la disquette, ah, il me reste 2 kilos. .bac. Récupérer un petit peu. Je retourne sur OCP. Il faut que je définisse une fenêtre. Ça, j'ai essayé d'aller assez vite parce que c'est pas compliqué. Créer une fenêtre. Ensuite, on va directement dans Font Catcher, Disk Opération, Load Window. Donc je charge. Voilà, c'est le bon fichier. Ok, très bien, avec ma plateforme en plus. Back to main menu. Cette fonte, 16 une position. Ce
jamais si je suis pile dedans ou pas, moi. Ah, ça, je suis pile dedans, rien, hein, coup de bol. Hop là, attaque, nombre de caractères. Back to main menu, type horizontal. Disque opération, sauvegarder la fonte. Tile 3. Donc là, c'est OK. Hop. Donc là, elle est en mémoire. C'est parfait. On reset. Hop. Run 33. Pour charger la tile modifiée. On assemble. Et 8000. Voilà, là ma plateforme elle est située au bon endroit si on regarde bien par rapport à là. Voilà, elle était juste bah, elle a pas bien placée. Elle est de la bonne couleur a priori. Et donc bah, il va falloir que je rajoute en fin de compte les ce qui manque là en fin de compte, les blocs. Donc genre si je fais la première ligne, il va me falloir 1, 2, 3, 4 blocs noirs. 1, 2, 3, 4. C'est ce que je modifie en fait, c'est là. C'est dans la table 3. Ensuite, il va falloir que je trouve c'est quelle tile aussi pour avoir les la suite. Là, pour avoir la suite. Parce que si j'assemble ça normalement. Hop là, ça m'efface bien voilà, la suite. Par contre, je sais plus quelle tile est les rochers, là, les machins. Je vais regarder dans OCP. Alors par contre, il faut que je fasse ça à chaque fois. Ce dont j'ai besoin, c'est c'est celle-là qui démarre là. Et en fait, c'est ça qu'il faut que je duplique quoi à chaque fois. Donc c'est la numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la numéro 9 qu'il faut que je prenne. Donc il faut que je duplique la tile numéro 9. Au pire, ce sera la 8. La 10. Déjà, on va essayer avec la numéro 9. Et c'est jusqu'au bout en plus, a priori. Hop. Donc là, et il va falloir tester. C'était pas celle-là. Donc, tous les coups, c'est la 10. Ah oui, est-ce qu'on commence à 0? Si on commence à 0, ce sera forcément la 10. Ou la 8, non, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je commence à 0, ce sera la 8. De toute façon, si je regarde dans la table 1, au début... Je ne sais plus. Oh, on va bien voir, on va tester. Hein. Je sais pas ceux qui codent là, si vous avez des... Enfin, je sais pas, une méthode de travail pour ce genre de truc. Hein. Que ce soit plus rapide à faire ou je sais pas quoi. Voilà, c'était bon. Mince, raté. Run, c'était bien la 8. Voilà.
Voilà, et donc là j'ai bien, mince, on ne voit pas, voilà, j'ai bien en fin de compte ce qu'il me faut ici, quoi. Ensuite, ben, en fin de compte, ça va être du noir sur toute une ligne. Donc là, dans ma table, je vais mettre que du zéro partout. Ben, c'est déjà fait. Il y a déjà que du zéro partout, donc c'est très bien. Non, je dis des conneries. À la fin, là, il y a une pierre. Il y a une pierre, et donc... ça correspond à ce qu'on voit dans la numéro 2. Ça doit être 37-38. C'est 37-38 qu'il faut que je mette juste une taille avant la fin. Donc en fait, compte, il faut que je mette... ...37-38 ici. Que j'assemble. Hop. Colle 8000. Voilà. Le soft tiled pour générer des tableaux de tile. Le tiled s'appelle. Et donc ça te permet de générer des tableaux de tile. D'accord. Ah, faudrait que je regarde ça. Et donc voilà en fait, hein, là je construis mon tableau petit à petit, je vais essayer d'aller assez vite puisqu'en plus il faut que j'aille coucher les gamins. Et ainsi de suite quoi, hein, c'est pas plus compliqué en fait là-dessus. Donc là ça fait 4-0. Hop là, 4 fois 0, là c'est 55... 55... 56 pour mettre une plateforme. Je sais pas comment agencer ça sur OBS, c'est trop le bordel quoi. Donc c'est en décalé par rapport à l'autre plateforme. Ensuite il y a deux tiles en noir, donc 0 0. Ensuite, on a... Ah, là, c'est pas le même genre de pierre, en fait. Là, on avait... Ah, c'est d'ailleurs, c'est chelou, ça, ce genre de pierre. Oh, c'est pas grave. Je vais changer ça. C'était pas assez bon, là. C'était les 24-25, en fait. Mes pierres, c'était 24-25 et non pas 5. Et non pas 55, 56, 37, 38. C'est 24, 25. 24. 25. Ensuite... je vais réduire ça. Ce truc là. Alors, je vais faire un truc, je vais appliquer un filtre. Filtre d'effet. Hop. Pour rogner ce truc là, parce que c'est vraiment casse-couille quoi. En haut 300. Et en bas on va mettre 100. Fermé. Voilà, ça va être plus lisible. Alors donc ouais c'est cette pierre là qu'il faut que je change en 24-25. Normalement ça devrait être bon. Je vais assembler. Hop, colle. Voilà, ça a changé mon type de pierre. Ensuite chier cette tablette là, s'éteindre sans arrêt, connasse, reste allumée. Tu dessines tes niveaux. Ah ouais, carrément. Ah, je vais regarder ça dans la semaine, extra-b, merci. Le soft tiled, je vais regarder ça. Et, parce que si je peux gagner du temps à faire ça, parce
que c'est franchement pas passionnant à faire. C'est vraiment le genre de le truc. Le premier, ça t'amuse parce que tu dessines un truc, quoi, mais au bout d'un moment, c'est un peu prise de tête. Ensuite, alors le tableau il va virer forcément, donc j'ai deux blocs noirs et après je retrouve les blocs 37-38. Donc là c'est du 37-38 et ici il n'y a rien, c'est 0-0. Voilà. Et normalement ça devrait disparaître. Voilà. Là, c'est déjà ça, c'est OK. Ensuite, il y a toute une ligne de 0. Donc c'est 1, 2, 3, la quatrième ligne. Donc c'est que des 0. Donc, tout ça, c'est 0. Voilà. Puis avant de faire des erreurs en boucle, je vérifie systématiquement chaque ligne. Là, ça va être un peu différent. Juste sous la plateforme. Ouais, ça, je pense que je le ferai en off. Hein. Bon, après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est peut-être pas nécessaire que je fasse la suite en stream, quoi. Je finirai la table en off, quoi. Parce que là, ça fait des heures 14 et j'ai rien d'autre à montrer, donc ça va pas être passionnant de me voir aligner les chiffres. Ce qui est intéressant, à la limite, si. Alors, je dis intéressant pour moi, si un jour je veux regarder comment j'ai fait, si je me souviens plus, de savoir comment rajouter justement une tile. Parce que je vais pas refaire des niveaux tout de suite, vu qu'il y a tellement de trucs à faire avant. De faire les autres levels, c'est-à-dire que le jeu fonctionne. Si déjà il fonctionne sur 3 screens, ce sera déjà pas mal. Ça je verrai pour le reste plus tard. En tout cas, je vais sauvegarder ce que je viens de faire là, ce sera toujours ça que j'aurai pas besoin de refaire plus tard. Et puis voilà, ça sera bien comme ça, quoi. On va arrêter le stream là. Hop. Je vais juste mettre en. Ce que j'avais fait en fait, bouger les sprites, enfin tout ce que j'avais fait depuis le début, tout ce que j'ai fait depuis le début sur ce projet-là, avec les cours d'Amaury. Donc open, interruption Blinky, alors je regarde c'était lequel le fichier le plus récent, détail, date. Ok. Ouais, voilà. Run Blinky. Donc pour l'instant, voilà, j'obtiens ça. Bon, ça c'est le screen que j'avais retravaillé. Voilà. Et une fois que les, j'en avais fait aussi un deuxième. Que MacDef a retravaillé de façon mais magnifique et qu'il faudra que je me baserai là-dessus. Donc R. Et puis là, ça me charge en fin de compte tout ce que j'ai fait depuis le début avec le HUD que Amaury m'avait dessiné, tout ça. D'ailleurs, mon écran là, Winape, est pas bien centré. Non, c'était bien. Ouais, je dois avoir un truc qui traîne quelque part. Genre ça, je sais pas d'où ça sort ça. Enfin bref, voilà, puis avec mon Blinky qui se déplace. Voilà, je l'ai fait aussi se déplacer en haut et en bas, mais bon, voilà, pour l'instant on est là, puis là il se bouffe la. Il se bouffe le balayage. Donc voilà, pour l'instant j'ai. Été plus loin que ça, mais vu que j'en suis sur la partie du cours en flipping là, et que j'y arrive pas, et que j'ai fait une pause sur voilà dessus, histoire de pas non plus avoir envie d'arrêter le truc parce que c'est chiant. Voilà, là c'est ma zone qui est en mode 1.
puis là il est en mode 0. Ouais, il passe du mode 1 au mode 0. Là. Voilà, c'est tout ce que je sais faire pour le moment. Et je sais pas passer d'un écran à l'autre. Donc ça, voilà. J'imagine qu'il y aura une table d'adresse et si jamais le sprite s'affiche à telle adresse, et ben boum, on charge une autre table. Je dis des conneries, hein, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour, c'est peut-être autrement, mais bon, voilà. Donc pour le moment, voilà mon Blinky. Donc ça c'est tous les cours d'Amaury depuis le début. Savoir faire bouger un sprite. Alors on n'avait jamais vu en haut et en bas, mais moi j'ai trouvé tout seul. Ça, je suis content, ça, je suis content de moi. J'ai trouvé tout seul comment aller vers le haut et vers le bas. Ça, avec les cours sur le masquage de sprite. Donc, ça a donné donc un Blinky qui peut se déplacer sans bouffer le décor. Parce que il y avait aussi de restituer le décor juste après le passage ou juste à. Enfin, c'est plein de trucs quoi. Et puis j'espère que ce truc là aboutira un de ces quatre. C'est vraiment un jeu que j'adore sur ces 64 quoi. Oh ça bouge. Ouais. C'est rare hein, de voir un Amstrad chiant pour chiant avec des trucs qui bougent. Voilà, c'est pour montrer un peu là où je me suis arrêté dans les cours d'Amaury. Voilà, avec mon Blinky qui bouge. Voilà, et puis bon bah les tailles, hein, c'est pas le truc que j'ai le plus de mal à comprendre. Au contraire, c'est été assez rapidement. Aussi parce que Amaury expliquait le code, etc. Mais et ça va. Je ne fais pas trop de soucis pour les décors. Ce qui est plus compliqué, c'est la mécanique du jeu en lui-même, quoi. Donc voilà. Bon, on va arrêter là. Et puis, le prochain champ pour chiant, bah, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être. Parce qu'il va falloir que j'en fasse un, qu'à partir du moment où j'aurai compris. Le flipping, c'est vraiment pas facile à comprendre. Interchanger les banques mémoire, dire au CRTC de basculer, enfin de définir l'offset, c'est plus c'est 0, mais c'est 4000, donc que l'écran il se trouve en 4000, enfin c'est compliqué. C'est pas simple. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien au départ, je pars de 0, hein, je n'ai pas affiché un sprite, donc c'est pour ça que c'est dur à rentrer. Donc voilà. Sur ce, bonne nuit. Moi, il faut que j'aille coucher les gamins, hein, parce que les pauvres, ils sont en train de... Ça fait 2h19 de stream. Bon, ça va être long à uploader, mais c'est pas grave. Et donc, le prochain stream, je sais pas, c'est con que j'ai noté. Déjà, j'avais complètement zappé qu'il y avait celui-là ce soir. Heureusement que j'ai regardé le truc. Je pense que c'était double... C'est Double Dragon. Oui, Double Dragon de Drawsoft, la grosse bouse infâme de Drawsoft, en version 350% à l'émulateur. Ça va être rigolo. On va essayer de le finir. Bon allez, bonne nuit les gens. Et merci Extrabet pour ton soft, je prends note.